Bonjour à toutes, bienvenue sur Saint-Leu TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cariti poulet au chouchou et aux calebasses. Pour faire le curry poulet, donc je vais vous présenter les ingrédients qui vont être utilisés pour ce bon petit curry. J'ai préparé 1,7 kg de viande de poulet, hein, mais de poulet, hein, le poulet entier, hein, qu'on a débité. J'ai pris 2 gros oignons, j'ai pris 3 tomates, 3 belles tomates. J'ai mis un gros chouchou qui est coupé en petits morceaux avec un morceau de calebasse qui me restait. Bien sûr, on va utiliser aussi 10 gousses d'ail. Qui a été broyé avec du sel, du poivre, un morceau de gingembre et une dizaine de feuilles de caloupiné. Bien sûr, on aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile, du thym. Là, on va utiliser du thym effeuillé et puis du curcuma. Voilà, donc on va commencer notre préparation. On commence par mettre 3 cuillères à soupe d'huile dans ma marmite. Alors, je vais rajouter à cela du gros sel, une petite cuillère de gros sel, et je vais rajouter aussi le thym effeuillé. Voilà, et on va laisser tout ça revenir 2 petites secondes et on va y mettre le poulet. Alors le poulet, on a récupéré le foie aussi du poulet qu'on va utiliser dans notre préparation. Oh là, ça saute un peu parce que l'huile est très chaude, bien sûr. Faut faire attention de ne pas se faire brûler, hein. Commencer à faire griller le poulet. Voilà, donc bien dorer le poulet avant de mettre les autres épices. Voilà, donc le poulet commence à se dorer, hein, à changer de couleur. On va attendre qu'il soit vraiment vraiment frit. Moi j'aime bien quand c'est frit. Hein, qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait plus de sang qui apparaît sur la viande avant de continuer la cuisson. À bien se dorer, on va pouvoir rajouter le foie, que le foie va cuire très rapidement, c'est pour cela qu'on ne l'a pas mis au début. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de sel sur le foie. La viande est bientôt prête. Pour pouvoir recevoir les épices qui vont l'agrémenter. Vous avez dû remarquer que j'ai dû m'équiper
d'une blouse. Oui, parce que ça saute un petit peu, hein. C'est dommage d'abîmer tous ces vêtements. À savoir que nous, les, quand même, la case, donc une équipe, pas nous, vraiment comme en restauration. Voilà, donc le poulet est prêt, il est doré. On va pouvoir ajouter les oignons qui ont été émincés préalablement. On va tourner tout ça, bien mélanger. Toujours assez fort, hein. On va pouvoir ajouter maintenant les épices qui ont été écrasées, c'est-à-dire l'ail, le sel, le poivre, le gingembre et le caloupiné. Voilà, on va faire revenir un petit peu tout ça à part. Et après, on va mélanger. Voilà. On a tout bien mélangé. Et là, les odeurs commencent à monter. Bonnes odeurs. On est toujours un peu fort. Maintenant qu'on a bien mélangé, on va pouvoir ajouter le curcuma. On va mettre une demi-cuillère, demi-cuillère à café. On va mélanger tout ça. Voilà, maintenant qu'on a bien mélangé, on va pouvoir ajouter les tomates. Pareil, bien mélangé les tomates. Les tomates émincées. Voilà, on va laisser toujours à feu fort une dizaine de minutes, 8-10 minutes. Voilà, donc notre préparation est presque prête. Encore quelques minutes avant de rajouter les chouchous et le morceau de calebasse coupé en morceaux. Donc on va laisser couvrir encore, bien sûr.
Pendant cette cuisson, il faut tourner régulièrement pour éviter de brûler. Hein. Sinon, ça s'accroche au fond et la viande brûle si on ne tourne pas. Donc on va laisser, il y en a qui déglacent un peu avec du vin blanc, mais nous on va le faire à la créole, sans vin blanc. Voilà, notre préparation est prête maintenant. On va pouvoir ajouter le chouchou coupé en morceaux et le calebasse. On va tourner tout ça. On va bien mélanger à la sauce. Et maintenant, on va pouvoir ajouter un peu d'eau. Bon, il y en a qui rajoutent de l'eau, il y en a d'autres non, mais je rajoute un peu d'eau pour les légumes. C'est ça qui... Voilà, l'équivalent d'un verre à peu près. Et maintenant, on va laisser cuire gentiment, à feu moyen. On va laisser mijoter, bien sûr couvert, pendant une trentaine de minutes. En vérifiant de temps en temps quand même la cuisson, qu'il y ait toujours de l'eau dedans, pour éviter bien sûr de brûler. Voilà, maintenant on va vérifier la cuisson de notre poulet et des légumes. Apparemment tout ça c'est très bien. On a laissé cuire une demi-heure. Hein. Impeccable. Donc tout est cuit, on va pouvoir déguster tout ça. Hein. Bon appétit à tous, à bientôt.